Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir cette Pokébox donc à l'effigie de Typhlosion d'Alola. Alors pourquoi j'ai pris cette Pokébox alors qu'à la base je ne voulais pas en fait les acheter ces Pokébox là parce que ça m'intéressait pas spécialement pour ce coup-ci. Du coup c'est bien parce que je vais prendre la carte promo quand même pour ma collection. Les deux autres je les achèterai je pense à l'unité. Mais en fait en ce moment chez Micromania, donc oui je l'ai acheté chez Micromania, donc ça c'est à 24 € je crois, 99. J'ai pris un booster en plus parce qu'en ce moment pour 25 € acheté, donc bien évidemment à partir du moment où vous faites, comment dire, où vous faites 25 €, le problème c'est que un item simple entre guillemets, c'est soit vous avez des boosters, soit vous avez, en ce moment vous n'avez pas de tri-pack, vous avez que des Pokébox et des coffrets pour les chanceux qui peuvent encore en trouver. Donc en gros c'était vraiment l'item à acheter, mais il fallait quand même un complément, donc j'ai pris un booster en plus. Sachez quand même que les boosters chez Micromania unitaires comme ça c'est 6,50 €, donc c'est vraiment pas donné. Surtout pour un booster en loose comme ça, il faut savoir qu'ils sont en loose parce qu'en fait ils les sortent de display. Ils ont des displays, ils ont reçu des displays en fait qu'ils ont coupé en deux. Et donc pour 25 € d'achat vous avez cette carte là de Pokémon Go, donc de Pikachu. Alors c'est pas une carte exceptionnelle dans le sens où c'est pas une carte promotionnelle, hein, c'est la simple rare que vous pouvez retrouver donc dans l'extension Pokémon Go, une des deux Pikachu donc, mais la différence c'est que du coup celle-ci elle est scellée, voilà. Pour ceux qui aiment les cartes en scellé, voilà, sous plastique, sachez qu'en ce moment vous pouvez avoir donc cette carte là, même si c'est pas une carte qui est exclusive à cette opération là, là vous pouvez l'avoir en scellé. Alors ça fonctionne chez Micromania, vous dire après si ça fonctionne ailleurs, je ne sais pas. Mais en fin de compte, revenons à nos moutons, nous allons donc ouvrir ensemble cette box. Ce que je fais comme d'habitude, j'ouvre le scellé et je vous montre après ce qu'elle contient. Alors, je vous montre du coup la carte promotionnelle Typhlosion V, donc Typhlosion de Hisui, hein, bien évidemment pas le classique. Donc celle-là, promo SWSH 237, voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Sachez qu'il y a aussi donc le Clamiral et le Archiduc qui sont sortis en même temps. La Pokébox, donc voilà, je vous la montre rapidement si ça vous intéresse de la voir d'un petit peu plus près. Donc le fameux Clamiral de Hisui. Hops, le logo Pokémon et le Archiduc. Et l'arrière si jamais ça vous intéresse. Voilà. Je vous montre également, hops, le petit code donc de la Pokébox. Et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur, donc deux boosters astre radieux, un point de fusion et un style de combat. Donc c'est assez intéressant, voilà, on peut avoir des belles choses dans tous les boosters, y compris le style de combat. Il me manque des choses dans toutes ces extensions là. Et on n'oublie pas qu'on rajoute un petit Chilling Rain, donc règne de glace, qu'on a eu en loose et que je vais ouvrir en même temps, histoire d'avoir un petit peu plus dans cette ouverture. On va faire du coup par ordre de chronologie, préférence, enfin bref, peu importe. On va commencer par style de combat et on va garder le reste pour la suite. Je vais juste zoomer un petit peu histoire que le focus se passe correctement. Alors, hops, le petit code. On est toujours sur du 1, 2, 3, 4. Hop. Et on a une énergie plante. Le kit de camping. Corbos. Aflamanoir. Et Crapins. Chaglam. Voltoutou. Kungfuin. Chétiflore. En reverse, on aura un Nosferalto en peu comme une reverse. Et derrière. Ok. Ok, ok. Voilà, comme quoi sur un booster, ça peut aller très très vite. On a donc un Chifourse V Full Art, que bien évidemment je n'ai pas, hein, parce que cette extension j'en ai ouvert que très peu. Voilà, la chance du booster... Ah non, c'est même pas Règne de Glace, je dis n'importe quoi. Donc là c'est vraiment le booster qui était dans la Pokébox. Donc ok, ça fait déjà une ultra pour cette Pokébox, donc c'est déjà plutôt pas mal. On va ouvrir ensuite le booster Règne de Glace. Alors là vous voyez déjà, simple et moyen, j'ouvre le code, il est vraiment pas en très très bon état. J'espère du coup que si on a une belle carte, elle n'aura pas été endommagée, parce que voilà. Hops, le code. Toujours 1, 2, 3, 4, hein, je suis pas... Et on est parti avec une énergie électrique, les gants désherbants,
Porygon 2, Coconfort, Quillfish, Ramolos de Galar, Aspico, Poulpaf, Watwat, Loclass, si vous avez suivi, j'aime beaucoup cette illustration, donc Loclass en reverse, donc c'est une commune reversée derrière, on aura un Kecleon en rare, voilà. Donc on connaît les chances sur Règne de Glace qui sont pas très très élevées. C'est pas grave, hop, donc point de fusion, on est parti avec ce booster là. Il me manque encore pas mal de choses dans point de fusion. Oups. C'est sur cette extension qu'ils ont commencé, je crois, à spoiler à partir des codes. Donc on va essayer de pas se spoiler. Oups, le code. Et on est parti tout de suite avec une énergie plante. Pachiraja. Ah oui, je l'avais pas vu celle-là. Zoroark, Floatoutan, pas Flamoutan, Nounourson, Bacabou, Goupix, Posipi, Meltan. En reverse, on aura Stylix en rare reverse, donc c'est une holo reverse, ça j'en suis sûre parce que je l'ai déjà. Et derrière, on aura un Lansorien holographique. Bon, c'est pas grand chose, c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est celle qui tombe le plus parce que je suis sûre et certaine de la voir, celle-ci. Que ce soit déjà en holo ou même en reverse, mais bon, c'est pas grave. Allez, on est parti avec l'avant-dernier booster de cette ouverture qui sera donc en Astre Radieux. Oups. Le code. Et on est parti tout de suite avec une énergie obscure. Cochignon, électrode de Hisuie, les lunettes super efficaces, Grelasson, Hippopotasse, Hérissandre, Scalpion, Canineuse de Hisuie. En reverse, on aura un Quillfish en commune reverse et derrière, on a une ultra, c'est très très cool. Maconure VMAX. Ok, pendant 2 secondes, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était je sais plus si c'est... Ben non, c'est pas dans cette extension-là, le Melmetal. N'importe quoi. Mais non, j'ai cru confondre avec le Melmetal de Pokémon Go, mais pas du tout, en fait. Il est très très beau. Maconier VMAX. Bon, on aurait préféré une alternative, hein, écoutez, mais... Franchement, là, cette Pokébox, jusque-là, elle est très très belle. Est-ce qu'on peut avoir de la chance dans ce dernier booster? On a quand même eu 2 belles ultras sur 2 boosters. Sachant quand même que là, il n'y a pas un seul booster, on a eu une simple rare, hein, mis à part le booster qui est pas... Bon, bah, je suis désolée, j'ai un peu spoilé du coup. Hop, donc là, on sait qu'on n'aura pas d'ultra, d'holo ou quoi que ce soit, mais on peut toujours avoir une TG. Donc écoutez, on va quand même regarder ce qu'on a dans ce booster. Donc le truc V-Star un petit peu nul. Le Quillpic de Hisuie, le professeur Cormier, Noirfang, sympa, celle-là, je ne l'avais pas vue encore. Ok, Barloche, un sécateur, Evoli, cool, 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 parce que celle-là je l'avais pas encore et je me disais que vraiment j'avais pas envie de l'avoir à l'acheter en fait à l'unité pour ma collection. Donc ça par contre je suis très contente. Le Voltorbe de Hisuie, un Démanta, en reverse on aura un Hérissandre un peu comme une reverse et derrière, en commune reverse pardon, n'importe quoi. Et derrière on aura un Arcanin de Hisuie, mais on savait qu'on n'avait rien, donc... Voilà du coup pour le contenu de cette vidéo, donc on aura quand même eu un Evoli du coup qui va tout droit dans ma collection. Un Lansorien holographique que j'ai déjà eu pas mal de fois. Bien évidemment le Typhlosion V promotionnel donc de la box. Un magnifique Chifours 1000 points V en full art. Un très très beau Maconure VMAX, je sais pas si c'est full art, mais il me semble que c'est full art également. Et bien évidemment, le petit Pikachu scellé qui va rejoindre ma collection également. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu dans les Pokébox, si vous en avez ouvert. Et n'hésitez pas à me dire dans quel item vous avez le plus de chance. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.